Edmond Guiraud, né d'un père très attaché aux Cévennes, a vécu de longues années à Roquedur dans le Gard. Il a eu une carrière d'auteur dramatique avant la Première Guerre mondiale. Il devint acteur de cinéma après la Seconde Guerre mondiale et joua notamment dans deux films de Jean Guéret, tournés en Cévennes. Jeannine Guiraud, sa veuve, a offert au musée Cévenol du Vigan les archives de son mari afin de constituer un fonds Edmond Guiraud. Edmond Guiraud est inhumé au cimetière protestant de Nîmes.